Bien évidemment, Étienne Tshisekedi aussi. Ce n'est pas lui seul, hein, et les 13 autres parlementaires qui étaient contre cette affaire. Et du coup, le journaliste qui a compris qu'il a été berné pendant très longtemps, il va faire quoi? Changer de poule. On propose des émissions à la RTNC, aux RT à l'époque, entre autres, deux sons de cloche. Vous savez l'émission, hein? Des sons de cloche où l'on pouvait entendre la parole de l'opposant et la parole d'eux, mais vraiment restructurés en tout cas. Ce n'était pas des opposants qui ne plaisaient pas à Mouloudou. C'était des opposants qui ne lui menaçaient pas, qui ne menaçaient pas son régime. Et donc on va évoluer comme ça pendant longtemps. Mais attendez, en 90, il y a un autre. Pardon, pendant de 90 à 96, il y a d'autres médias qui naissent. Antenne A, d'accord? Et les autres médias. Mais avec beaucoup de restrictions. Vous ne pouvez pas dire ceci, vous ne pouvez pas dire cela. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et quand Laurent Désiré Kabila arrive, lui aussi va dire, ok, je vais un peu goûter à la dictature, comment ça se passe. À son tour, il ferme aussi les médias. Vous vous rappelez? Canal Kin bloqué, CCTV bloqué, Ratelki bloqué, et beaucoup d'autres médias bloqués aussi. Bon, les médias, maintenant on commencera à avoir beaucoup de journalistes. La presse écrite avait pris son temps. Mais la presse écrite a été court-circuitée par l'audiovisuel. Les gens aimaient la télé, les gens aimaient la radio, aimaient entendre. Et nous avons eu des Congolais qui ont été merveilleux dans leur écriture, merveilleux dans leur manière de parler. Mais il manquait un peu de la responsabilité, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Il manquait en eux une sorte de responsabilité. D'accord? J'aimerais vous dire ici, mes frères, si vous avez peur de la mort, ne faites pas le journalisme. S'il vous plaît, faites le commerce. Devenez pasteur. D'accord? Si vous avez peur de la mort, vous avez peur de la prison, ne faites pas le journalisme. Parce qu'on vous arrêtera ad nutum. Ça veut dire à tout moment. On peut vous arrêter. Parfois, on ne vous arrête pas pour vous tuer, mais on vous arrête simplement pour vous faire peur. Pour vous montrer la mesure de votre gravité. Et l'histoire va continuer. En 2000, on a plusieurs médias maintenant qui commencent à prendre un peu de l'allure. Et à partir de 2000, je veux dire, le média commence à entrer dans sa phase la plus sombre. Je suis au Congo. Hein. La qualité des journalistes s'est détruite. D'accord? L'université ne produit plus de meilleurs journalistes. Et ceux qui viennent, enfin, ils ont besoin tout de suite d'avoir l'argent. Ils ont besoin de s'en sortir. Ils ont besoin de gagner la vie. Et quand ils ont besoin de gagner la vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mentir. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Ils vont tromper. Ils vont manipuler. Ils vont se laisser à la merci de tout le monde. Et du coup, on a connu ça, le problème du journaliste, en deux générations. La première génération, c'était une génération de gens très intelligents. Il y a des journalistes expérimentés, qui vous écrivent bien, qui parlent bien, mais à eux, on reproche une seule chose, c'est leur peur. D'accord? Ils avaient tellement peur de Mobutu qu'ils ne pouvaient pas dire le mal de Mobutu. Ce qu'on reproche aux journalistes d'aujourd'hui, c'est l'impréparation, d'accord, insuffisance, incompétence, et ajouter à cela l'envie de l'argent. Et du coup, le journaliste aujourd'hui est à la merci de l'homme politique. C'est pourquoi vous entendez les journalistes à Zokokomokosa, d'accord? Quand vous voyez un journaliste poser des questions, vous dites, mais ça c'est un journaliste ou c'est l'ami de l'invité? Parce que le gars poursuit quoi? L'argent. Il veut trouver l'argent. Et donc, ça, c'est l'histoire, hein, de notre journalisme aujourd'hui. Et nous serons finalement court-circuités encore par ce qu'on appelle le journalisme en ligne. Hein, les youtubeurs, ceux de YouTube. Alors là, c'est la crasse, et vraiment la crasse. Ça veut dire quelqu'un qui ne sait ni lire, ni écrire, ni parler, il s'improvise un matin, il devient journaliste. Et il devient journaliste à Banakin Binomoboebi. En fait, il n'a même pas encore parlé, mais il dit déjà Banakin Binomoboebi. Alors, ceux qui disent Motoebi, Tika. Ça ne sert à rien. Pourquoi tu continues? Vous comprenez un peu? Et vous avez d'un autre côté des journalistes, des aventures, c'est-à-dire ces journalistes qui ne savent que faire des introductions. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez cette émission, et puis c'est fini quoi. À l'intérieur, contenu zéro. Vous suivez, non? Par moment, vous êtes indigné, n'est-ce pas? Vous dites, mais comment il peut prendre 30 minutes, mais il ne dit absolument rien? Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui est dans sa chambre, en train de se maquiller, et il veut nous faire croire qu'il est sérieux, quoi. Vous voyez? Alors, maintenant, ils sont nombreux.
Ils sont nombreux parce que sur YouTube, il n'y a aucune restriction. Il est le seul, il est le patron de lui-même. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. C'est-à-dire, déjà, il ne comprend pas exactement ce qu'il veut dire. Quand tu l'écoutes, tu ne sais pas l'introduction, c'est quoi? Le développement, c'est quoi? Et la conclusion, c'est quoi? Donc, en le suivant, tu es totalement perdu. Et ce sont les types de journalisme qu'on a aujourd'hui. Mais nous n'avons pas fait un effort de changer ça, malheureusement. Mais on a eu encore un autre coup pour notre journalisme au Congo. C'est aussi les universités. Vous allez m'excuser, hein? Les universités. Excusez-moi de vous dire que les universités au Congo ne forment pas des vrais journalistes. Ça forme des journalistes sur papier. Ceux qui ont écrit, ceux qui ont appris le journalisme. Mais sur terrain, vous vous rendez compte que c'est autre chose. Et je vous dis, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de celui qui vous forme, de ceux qui vous forment. Ceux qui vous forment ne vous apprennent pas c'est quoi la pratique. Et c'est du coup ce qui fait que vous êtes licencié en journalisme, mais quand on vous met sur le terrain, vous ne comprenez absolument rien. Vous devez tout recommencer à zéro. Et c'est compliqué en apprenant comme ça. Parce que, ce n'est pas encore votre problème, c'est que le système éducatif congolais, c'est un système éducatif de la théorie, pas de la pratique. Seulement de la théorie. C'est que vous apprenez beaucoup de choses. Mais sur le terrain, vous ne savez pas ajuster ces connaissances théoriques à la pratique. Et du coup, la pratique devient une autre branche d'enseignement. Vous comprenez? Pourtant, le journalisme, ce n'est pas une histoire de théorie. Le journalisme, c'est la pratique. Vous devez pratiquer. Ça veut dire à l'université de Kinshasa, vous devriez en principe avoir un studio. On m'a dit que vous l'avez. C'est bien, mais en quel état? Parce que, regardez, si vous êtes dans des pays sérieux, ceux qui font la formation de journaliste ou la formation de journalisme sont ceux-là qui sont d'abord employés au niveau de l'université. Ce sont eux qui donnent le programme de cours de toutes les universités. Ce sont eux qui ont des bulletins, parce qu'il faut qu'il y ait un journal universitaire. De la presse écrite, bien évidemment, des magazines de la presse écrite. Vous devez avoir des émissions télé de la presse écrite. Pourquoi? Parce que vous avez un home ici. Ça veut dire, les journalistes de l'université de Kinshasa devraient en principe avoir une chaîne de télévision qui émet au sein de l'université, et les étudiants de l'université peuvent vous regarder tous les jours et faire des débats sur le système éducatif, l'enseignement, la propriété du site universitaire. Et c'est là que vous avez tout. D'accord? Et un problème aussi, c'est qu'on ne vous apprend que le journalisme, rien d'autre après. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Dans d'autres pays, vous apprenez d'abord une filière avant et vous viendrez apprendre le journalisme après. Parce que, écoutez, quand vous êtes seulement journaliste, c'est que vous aurez des problèmes sérieux. Quand vous serez devant un avocat, comment vous saurez vous défendre? Il vous mentira, n'est-ce pas? Il vous racontera des choses. Il peut vous dire qu'arrêter, c'est prévenir. Comment vous allez savoir ça? Vous n'avez pas la formation de journaliste. Pardon, de juriste. En principe, vous devriez faire l'écologie, la botanique, le droit, la médecine. Et c'est quand vous terminez les sciences là-bas que vous venez faire le journalisme. Pour pratiquement 2 ans ou 3 ans. Je ne vois pas pourquoi on vous bloque pendant 5 ans pour apprendre le journalisme. Je ne vois pas pourquoi. Excusez-moi, c'est un gaspillage. C'est une perte de temps inutile. Parce que c'est pourquoi vous avez des journalistes congolais des à peu près. Ils sont des à peu pristes. Ça veut dire qu'ils ne connaissent que le journalisme. Ça veut dire qu'ils ne connaissent que de poser des questions. Mais le journalisme, ce n'est pas que poser des questions. Le journalisme, c'est aussi analyser le fond de la question. C'est pourquoi en Europe, vous avez des journalistes de spécialisation. Il est journaliste agronome. Il est expert en agronomie. Ça veut dire, lui, toute sa vie, c'est l'agronomie. C'est-à-dire, quand il a un professeur d'agronomie devant lui, ou un agriculteur devant lui, ben, il le bombarde de questions. Et vous sentez que le journaliste, il connaît des choses. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, c'est le même journaliste qui va voir un mécanicien. C'est le même journaliste qui va voir un avocat. Et du coup, il a des questions élémentaires. Des questions genre, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi? On fait quoi avec? Et puis, on donne des réponses fausses. Et tu acceptes parce que tu ne sais pas quoi. Tu dis, ça, c'est quoi? Il te dit, non, mais ça, c'est le mercure concentré. Mais attends, tu connais rien. Alors, tu dis, ah, donc c'est vraiment ça. Oui, oui, c'est ça. Mais si tu as étudié cette science, il te dit, c'est le mercure. Tu diras, mais ce n'est pas concentré. Comment c'est le mercure? D'accord? Parce que déjà, tu as les BAB, tu as les ABC, comme on dit, le BABA. Mais le journalisme au Congo, on ne nous a pas formés pour être des spécialistes de quelque chose. Moi, j'ai un avantage parce que j'ai fait le droit. Donc, certaines questions de droit ne peuvent pas m'échapper.
Mais je suis bougre, bourrique, quand je rencontre un médecin. Il peut me dire, monsieur, vous savez, l'hypothalamus détruit. Et là, je suis, tu vois, je reste... Et pour éviter d'être humilié, je dis, ok. Donc, c'est vraiment ça. Il dit, oui, l'hypothalamus détruit. Je dis, ok. Alors, il faut faire très attention avec l'hypothalamus. Et ceux qui te suivent, ils disent, mais le gars est malade. Du coup, si l'auditoire est médecin, si l'auditoire est composé de médecins, ils disent, mais ce journaliste est vraiment nul, quoi. Il ne sait pas ça. Pourtant, un journaliste n'est pas quelqu'un qui connaît tout. Non, un journaliste est quelqu'un qui connaît un peu dans tout. Mais il est spécialisé à quelque chose. Tu vois un peu? C'est pourquoi vous allez voir des journalistes sportifs en Europe, ils ne sont que dans le sport. Et même dans le sport, ils sont spécialisés dans quelque chose. Il est dans le football. C'est-à-dire, lui, tu ne lui diras pas que crochet, non. Tu ne lui diras pas que non, balle de mini-banda. Non, il te dira maintenant que balle de mini-banda. Il te dira, il te parlera de pichenet, il te parlera de la transversale, il te parlera de l'extérieur du pied. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, il a les jargons de sa spécialisation. Mais quand tu prends un journaliste comme moi, par exemple, moi qui suis un anti-balle, tu me mets là-bas dans le football, mais qu'est-ce que je veux dire? Je dis, par exemple, ben le joueur a pris le ballon et il a cogné. Mais le journaliste sportif ne te dira pas qu'il a cogné. Le journaliste sportif utilisera un jargon comme ça. Tu vois un peu? Bon, tu vas dire, mais il est rentré à côté du gardien. Mais le journaliste sportif te dira, c'est la surface de récupération. Et tu comprends que, ah, mais ce gars, il est plus intelligent. Non, il n'est pas plus intelligent, il s'est spécialisé dans un domaine. Et donc, vous aussi, la même chose, vous devriez travailler sur une spécialité. Et ça vaut bien le bienfait du journalisme. Et quels sont le danger aussi du journalisme? Les dangers du journalisme dépendent d'un territoire à un autre, d'un pays à un autre, d'une législation à un autre. Le premier danger du journaliste partout à travers le monde, c'est la mort. Il court les risques de la mort. On peut le tuer à tout moment. Il suffit que tu dises une phrase qui n'intéresse, qui ne plaît pas à quelqu'un, on vous tue. Le deuxième danger, c'est le danger de la pauvreté comme dans un pays comme le nôtre. Au Congo, si tu es un journaliste honnête, sérieux, intègre, loyal, tu risques de passer toute ta vie dans la pauvreté, quoi. D'accord? Parce que le monde dans lequel tu vis n'est pas un monde fait pour les hommes loyaux. D'accord? C'est un monde où vit le Léviathan. Celui qui vous bouffe, qui vous détruit et qui vous compromet. Mais comme le dit... Est-ce que vous êtes tous des chrétiens ici? Pas tous, hein? Bon, ceux qui sont chrétiens, excusez-moi de le dire, l'apôtre Paul dit... Ne vous transformez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. D'accord? L'apôtre vous demande de ne pas vous laisser influencer par la vague de ce monde. Le prince de ce monde, c'est l'argent. D'accord? C'est lui le prince du ténèbre, c'est le mal. Mais l'argent n'est pas le problème, mais c'est son utilisation qui devient un problème. Et donc, le danger, c'est celui-là. Mais les avantages du métier, mais c'est la notoriété, mon ami. Tu n'aimes pas être star. La notoriété, le respect. Mais cette notoriété et ce respect ne viennent que de la qualité de ce que vous rendez comme service. Voyez-vous? Si vous faites un bon travail, les gens vont vous aimer. Si vous faites un mauvais travail, les gens ne vous aimeront pas. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous dire. L'argent, c'est parce que si vous, même la Bible le dit, hein, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout, non? Vous devez ne pas aimer l'argent. Il faut laisser que l'argent vienne vers vous. D'accord? Mais ne vous en faites pas, ça, je sais que ça va être difficile pour vous. Mais essayez, vous allez voir, ça va aller. Essayez, vous verrez. Vous voyez comment c'est bien. Oui, madame. Madame, c'est moi. Madame? Oui, en fait, dans le journalisme, vous avez les aspects généraux. Hein? C'est les aspects de toute la vie, tout. Être un journaliste comme au Congo, hein? Il est journaliste et il fait tout, il est partout. D'accord? Mais il n'a vraiment pas de substance. Parce que le jour où on aura besoin de spécialistes, c'est pas lui comprendra. Est-ce que vous comprenez? Mais il peut se spécialiser sur des questions. En fait,
tu te spécialises sur des questions, c'est que tu ajoutes une valeur dans ce que tu sais déjà. Je ne sais pas si on comprend. C'est qu'on est tous des journalistes, mais moi j'ai une spécialité, par exemple, en médecine. D'accord ? Pour être spécialiste en médecine, c'est que je suis en train de suivre les cours de médecine. Les ABC de médecine, l'anatomie biologique, le système médical, comment ça fonctionne. Pour que quand je serai en train de parler du jour de l'hôpital, par exemple, que je ne cherche pas des mots d'emprunt, que je trouve les jargons qu'il faut. Est-ce que vous savez, qui connaît, comment on appelle, Nzete Obachaka, Libendemo Obachaka dans l'hôpital, Obachel Rango Perfusion. Comment on appelle ça? Je vais parier 100 dollars. On appelle ça, le biais à perfusion. Tu comprends un peu? Le biais à perfusion. Mais maintenant, si tu ne sais pas, tu vas dire quoi? Mesdames et messieurs, je suis dans un hôpital, vous n'allez pas imaginer, j'ai trouvé un fer. On a attaché le sachet. Tu vois un peu? Donc même celui qui te suit, le médecin qui a fait la médecine, il te dit mais... C'est quoi cette histoire? On appelle ça le pied de fer, le pied de perfusion. Le pied de perfusion. Il y a aussi ce qu'on appelle la potence. Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes ces choses-là pour que tu comprennes. Ça veut dire. Tu ne diras pas par exemple, mesdames et messieurs, j'étais dans un hôpital, mais je vis un médecin avec deux couteaux en train d'opérer quelqu'un. Ou tu dis, il a un truc qui ressemble à un couteau. Tu diras que c'est bistouri, d'accord? Tu diras qu'il y a un truc. Tu ne vas pas dire que je suis dans un hôpital, mesdames et messieurs, vous n'avez aucune idée. Ce qui se passe au Congo est terrible. Un médecin fait entrer quelqu'un dans une chambre pour l'opérer là-bas. On appelle ça le bloc opératoire. Ce sont des jargons que tu dois avoir. Vous comprenez? C'est-à-dire, un journaliste, c'est quelqu'un qui a une bonne culture générale. Et la culture générale, tu ne l'auras pas en lisant la Bible. La culture générale, tu l'auras en lisant les documents. Il faut lire. Le journaliste n'est pas journaliste quand il ne lit pas. Tu vois, madame? Donc, il faut lire. Si tu veux te spécialiser, il faut beaucoup lire. Alors, beaucoup lire. Si tu veux être un journaliste spécialisé dans les questions politiques, il faut que tu lises, d'accord, l'histoire politique. Si on te pose la question, comment s'appelle le président de l'Argentine? Ah, tu as vu, ah, c'est comme ça aussi. Et quelqu'un se dit, mais, eh? Alors, mesdames et messieurs, l'Argentine, son président a fait des choses? Non. Tu dois être en mesure de connaître les présidents là. Quand on te parle de Maputo, c'est quel pays déjà? Très bien. Ça, il faut que ça vienne automatiquement. Quand on dit Lesotho, capitale. C'est ça? T'es sûr? Quand on parle par exemple de Jombo, ça commence à te tourner. Jombo. Jombo, c'est un village de l'Équateur, mon frère. N'est pas loin. On est au Congo, quoi. Ah voilà. Non, pas de problème. Mais au moins, on n'est pas en Afrique du Sud. On est au Congo, quoi. Voyez-vous, hein? Ça vous permet de comprendre quand même quelque chose. Un journaliste, c'est celui qui apprenait. Un journaliste, c'est celui qui connaît un peu dans tout. D'accord? Un peu de sport. Tu sais que Liverpool est une équipe de football. Tu diras pas que Liverpool est une voiture quand même. Hein? D'accord? Et tu sais qu'on parle des Nike. On sait que Nike, ce n'est pas une équipe de football. Et donc, tu as quand même des petites idées comme ça. Tu comprends, madame? Au lieu de rester dans les cas généraux, je te demande de faire la spécialisation. Et il n'y a pas un secteur inutile dans le journalisme. Tous les secteurs sont importants dans le journalisme. Tu peux te spécialiser dans la coiffure, dans la nutrition, dans le bois, et dans tout, dans l'éducation des enfants, dans tout. Ça va? Oui, mon frère. Comment? Ok, au mot. Je ne sais pas si je ne savais pas bien suivre, je vais dire qu'un journaliste, qu'un journaliste neutre n'existe pas. Non, il n'a pas de camp politique. Alors, la personne qui n'a pas de camp politique n'est pas neutre. Non, ça veut dire quoi? La neutralité ici n'est pas. Ça ne veut pas dire que tu n'aies pas de position. Non. La neutralité ici, moi je la prends comme une sorte de complicité. D'accord? Parce que le concept neutre est un concept vide. Il n'y a pas de neutralité dans le monde. Il n'y en a pas. Il y a le chaud, il y a le froid. D'accord? Et même si vous êtes tiède, on ne vous reconnaît pas. Il faut avoir une position. C'est pourquoi je dis que la position du journaliste, c'est rien que la vérité.
Les faits sont les éléments d'un journaliste. Un journaliste ne doit pas avoir une position en dehors des faits. Il ne doit pas avoir une position en dehors de la vérité. Les journalistes, quand ils parlent, il faut qu'on sente qu'ils disent la vérité. Et même quand ils soutiennent quelque chose, on doit savoir qu'ils soutiennent les côtés de la vérité. Pas la vérité des urnes, hein. La vérité. Parce que la vérité des urnes fait partie de la vérité, de la vraie vérité. Oui, mon frère. Mon frère, ça va? Ouais, ça va. D'accord. Oui, mon frère. C'est étonnant, l'histoire de plus en moins, je veux savoir, est-ce que le ministre doit avoir des connaissances? Alors, parce que moi, mon ami, c'est avoir des connaissances en foot. Or, plus que moi, là. Alors, quels sont ces ouvrages là que vous donnez maintenant, qui sont à lire, pour mon ami, lisez l'initiation au journalisme, par exemple. Mais le plus important, c'est lire tous les jours, tous les livres importants. Surtout les livres d'histoire. Pourquoi les livres d'histoire? Ça vous permet de connaître ce qui s'est passé dans le temps. Ça vous permet de vous situer aussi. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de lire des livres aujourd'hui. Hein, être obligé de lire les livres. Mais il y a des livres audio que vous pouvez écouter. D'accord? Il y a des livres audio que vous pouvez écouter. Mais les livres audio ne vont que travailler votre imagination. C'est bien. Ça va ouvrir un peu votre imagination, mais ça va vous appauvrir en termes d'écriture. C'est seulement quand on lit qu'on apprend à écrire. Parce qu'il y a des mots et des verbes, des expressions que vous apprenez en lisant. Voilà pourquoi il faut faire un effort de lire. Et mon ami, lis tout ce qui est devant toi. Ne crains pas, il y a des gens qui vous mentent. Il y en a pas. Satan n'est pas un lecteur, il n'a jamais écrit. Il ne faut pas avoir peur. Satan n'écrit pas un livre, il n'a pas un livre qu'il écrit. Lisez tout ce qui est, tout ce qui se présente devant vous, mais vous n'êtes pas obligé de pratiquer tout ce que vous lisez. Lisez ce qu'il faut lire. Et c'est très important, quoi. D'accord? Lis et relis encore. Si tu veux avoir des connaissances, il faut lire. Si tu veux avoir des connaissances, il faut suivre des bonnes choses. Je suis très déçu de voir les Congolais suivre Novelas comme s'ils suivaient le journal du paradis, quoi. C'est pas possible. Tu es journaliste, tu fais le journalisme, mais tu ne peux pas ne pas suivre les informations le matin. D'accord? Vous devez suivre les infos le matin. Et vous devez suivre les bonnes émissions. Si vous voulez que je vous donne des chaînes à suivre, suivez Congo Buzz. Congo Buzz. C'est sur Internet. C'est ma chaîne, en réalité. Non, j'ai blagué. En fait, suivez Planète Télévision. Planète Télévision, c'est sur canal. Je sais plus, ils ont changé les numérotations. Avant, c'était 145. Je sais pas c'est combien aujourd'hui. Hein? Voilà. Ah, c'est comme ça. Voilà. Donc, ah, Novela, c'était 23, maintenant, c'est combien? Et elle sait. Alors, donc, suivez ça, hein? Suivez Planète Télévision. Et suivez tout le groupe Planète, ils ont des bons documentaires. Nos chaînes ici, suivez. Suivez toutes les chaînes. Ici. Suivez toutes les chaînes ici, mais le plus suivez des productions, quoi. Cette chaîne, tu n'apprendras rien à ça, malheureusement. Tu n'apprendras que le taux de la criminalité a évolué. Tu apprendras comment on insulte les gens. Et c'est fini. En fait, bref, ce que je vous demande à faire, c'est soyez sélectif. D'accord? Ne suivez pas de la bêtise. Ne suivez pas des théâtres creux. Un journaliste ou un intellectuel ne suit pas la bêtise. Tu peux suivre le théâtre pour un peu te divertir, c'est normal. Pour un peu aérer ton esprit. Mais ça ne doit pas être, tu ne dois pas te focaliser là-dessus. Tu ne peux pas passer 4 heures en train de suivre une novelas, quand même. Non. Tu apprends quoi dans le novelas si ce n'est pas rester nu à tout moment? Tu n'apprends rien, quoi. Là, tu n'apprends que les griffes de sous-vêtements et c'est tout. Et des crèmes épilatoires pour avoir moins de poils ou plus de poils. Mais c'est tout en tout cas. Tu n'apprends rien d'autre. Mais quand tu suis des émissions qui te font développer la tête, tu deviens quelqu'un de bien. Un journaliste est quelqu'un qui comprend, qui connaît. D'accord? Il est quelqu'un de très cultivé. Et pour être cultivé, vous devez beaucoup écouter la radio, beaucoup suivre la télé, beaucoup lire les journaux. Un journaliste écoute, lit et voit. Ça va?
Ça va, mon ami? Ça va. Oui, mon frère. Vous avez parlé d'une chose qui est très importante, c'est l'argent. Un journaliste ne peut pas gagner l'argent. Mais à un certain moment, on voit aussi le média qui se comme TV5, le cadre, qui nous fait voir un peu des positions qui n'est pas claires par rapport à l'argent. Est-ce que ne pas aimer l'argent sous forme de la corruption? De ne pas aimer l'argent, c'est la cause du bien de la limite de notre média dans notre pays, parce que notre média est privé de politiciens. Est-ce que ce n'est pas la cause qui pousse aux journalistes d'aimer l'argent que de faire leur travail? C'était ma première question. Le second, c'est de savoir que Jean. Et journaliste, vous êtes venu pour être spécialiste. Là, c'est à moi de poser la question. Oui. Quel est le genre que moi j'ai choisi? Oui. Dans votre spécialisation. Moi, je fais le journalisme d'investigation. D'accord? Personnellement, je cherche à faire le journalisme d'investigation. Mais ma spécialisation la plus grande, c'est le journalisme. Que j'ai inventé ce courant-là, mais je ne l'ai vraiment pas du tout inventé. Je l'ai pris de celui qui nous a libérés, hein, celui qui a libéré le Congo. C'est le journalisme d'éveil, de conscience. D'accord? Et c'est ce que je fais toujours. Ceux qui ont eu le temps de suivre mes émissions à la radio, vous vous rendez compte que je ne parle que de l'éveil des consciences. J'animais une émission sur la radio qu'on appelait Vie ma vie. C'était une émission d'amour. Et je n'ai parlé que de l'amour, mais vraiment de l'amour sérieux, quoi, pas de l'amour genre, non, de l'amour sérieux. D'accord? C'est que ceux qui ont suivi ce que je fais, ils verront que je garde toujours la même position d'éveiller, mais de dénoncer aussi. D'accord? Je fais des investigations pour connaître ce quelque chose, et je le ramène au public, j'essaie de le mettre dans des codes, et parfois je suis très choquant, je suis d'accord, ce qui a fait qu'on me chasse même dans beaucoup d'entreprises. Et puis, maintenant, sincèrement, j'assume, hein, je ne regrette pas après. Quand on me chasse, je m'en vais tranquillement. Mais bien que je sais que ça fait mal après, mais je m'en vais parce qu'au moins je sais que j'ai dit ça. C'est pas que ma conseillère m'a cabou, non, c'est que j'ai dit et je parle. Et donc voilà ce que je fais. Alors la première question, c'est de savoir pourquoi il ne faut pas aimer l'argent et tout sur la TV5, les autres. D'abord, il faut comprendre une chose. Les médias internationaux ont beaucoup d'argent. D'accord? La différence, c'est que eux, leurs médias se trouvent entre les mains des professionnels. D'abord. Mais c'est aussi un instrument d'aliénation, d'accord? C'est aussi un instrument de colonisation. Les médias étrangers ne vont pas développer l'Afrique. Les médias américains et européens n'ont jamais développé qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés pas sur le vrai, d'accord? Ils sont basés sur la manipulation, sur la rétention des informations, sur la séquestration de la vérité. En fait, sur une sorte de prédation intellectuelle. Ces gens veulent vous faire croire que vous êtes rien, c'est eux qui ont la vérité. D'accord? Ils ont une spécialisation de fabriquer les gens ou de les démolir. Lorsque vous n'êtes pas dans leur objectif, ils vous démolissent. Ils vous traitent de tous les noms. C'est eux qui vous taxent de dictateur, même quand vous ne l'êtes pas, comme ils l'ont fait à Kadhafi. C'est eux qui disent que vous n'aimez pas votre pays, comme ils l'ont dit de Laurent Gbagbo. D'accord? C'est eux qui vous disent que telle personne est mauvaise parce que, bon, cette personne, c'est qu'à Félix Tshisekedi par exemple, d'accord? Ils vont vous faire comprendre que telle personne est bien, telle personne est bon, parce que cette personne a été soudoyée par eux, il les a soudoyés. Donc la question de la corruption, il ne faut pas vraiment suivre. Les médias les plus corrompus sont les médias occidentaux. Ce sont les médias, le premier média corrompu dans le monde. Ils ne disent pas la vérité malheureusement, ils disent la vérité quand ça les intéresse. Quand ça ne les intéresse pas, ils ne disent pas la vérité. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Sarkozy en Libye? Est-ce que vous avez suivi les médias internationaux taper là-dessus? Ils ne taperont jamais, parce que c'est leur intérêt. Est-ce que vous avez vu les médias français parler du pétrole de Brazzaville? Ils ne parleront jamais. Est-ce que vous les avez suivis parler de notre coltan? Il y a des téléphones que nous avons aujourd'hui, et tout ce que nous avons. Pour en avoir, il y a des filles qui sont violées, il y a des villages qui sont décimés. Est-ce que vous les avez entendu parler de ça? Non, ils ne parleront jamais de cela. Parce que ça ne l'intéresse pas.
Mais ils parleront d'un président qui refuse un contrat aux gens. Ça, ils parleront. Ils vont l'appeler dictateur. D'accord? Ils vont l'appeler oppresseur. Ils sont prêts à venir prendre 10 personnes, 15 personnes qui descendent dans la rue pour en faire un élément important. En disant que le peuple s'est fâché contre telle personne. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce qu'ils cherchent, c'est détruire un homme. Et ils vous font passer pour des gens qui souffrent. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est qu'eux veulent garder l'hégémonie là-bas. D'accord? Vous pensez qu'il n'y a pas de criminalité aux États-Unis? Mais ils meurent tous les jours là-bas. Mais est-ce que vous voyez, est-ce qu'ils en parlent souvent? Ce n'est pas leur problème. Donc, eux, c'est comme ça. Mais maintenant, nous, nous ne sommes pas obligés d'être comme eux. Mais je ne vous dis pas qu'ils sont mauvais. Non, ces gens sont excessivement professionnels. Ils savent ce qu'ils font. D'accord? Et ils font bien leur boulot, dans le mal, bien sûr. Ben, ils font très bien leur boulot dans le mal. Mais c'est à nous de tirer les côtés positifs. Faites très attention quand un média appelle un dictateur, un président d'un pays dictateur. Faites très attention. Ça peut être un bon président. Ça peut être quelqu'un qui refuse à ces gens certains avantages. Ils les appellent très généralement des dictateurs. Voilà pourquoi il ne faut jamais suivre la bonne... Si vous voulez suivre la bonne information, ce n'est pas chez eux que vous suivez la bonne information. Là, suivez le fait, mais ne les confirmez pas. Parce que ces faits-là sont dénaturés pour la plupart des cas. D'accord? Mais ils restent professionnels dans certains domaines. Santé, par exemple. Parce que là, on ne peut pas mentir. Santé, sport, parce qu'ils ne diront jamais que Barcelone a marqué 3 buts alors qu'il avait marqué 2. Non. Là, c'est les mathématiques qui diront ça. Mais quand il s'agit des politiques, faites très attention, quoi. Vous avez vu ce qui se passe chez Nicolas Maduro? Vous avez vu? Quand on n'aime pas un président, on l'attribue tous les maux du monde. Ça, ils sont spécialistes en ça. Ils savent ça. Et comme ils ont le moyen de la communication, ils utilisent ça comme ça, comme moyen. D'accord? D'accord. Oui. Oui, madame. Alors, vous avez deux choix. Vous avez deux choix. C'est une très bonne question. Vous avez deux choix. Ou vous faites comme moi, on vous chasse. Et vous acceptez d'être au chômage. Ou vous rendez comme la ligne éditoriale vous le demande. Bien oui, là vous modifiez si votre ligne éditoriale est contre cela. Mais en tant que journaliste, vous pouvez décider de ne pas faire cette information-là. De refuser de prendre part à ce scandale-là. Vous comprenez? C'est là que je parlais de la personnalité de quelqu'un. Évitez qu'on vous fasse dire des choses que vous ne croyez pas. D'accord? Parce que quand un fait se produit, ne vous en faites pas, il y a des victimes. D'accord? Et si votre chaîne, votre ligne éditoriale, vous demande de mentir, vous voyez ce que ça fait déjà dans la tête de quelqu'un? C'est que vous avez créé des problèmes à ce niveau-là. Et ces gens-là n'auront aucun crédit pour vous. Ils ne vous respecteront jamais. Même quand vous porterez une veste, ils sauront que vous avez été acheté. Parce que vous n'avez pas dit la vérité. D'accord? Donc gardez toujours votre indépendance. Parce que si vous gardez votre indépendance, vous allez dormir en paix. Même lorsque vous dormez sur une natte, vous faites quand même des très bons rêves. Mais quand vous avez menti la nuit, même lorsque vous dormez dans un palais, vous ne serez pas tranquille, n'est-ce pas? Parce que vous savez que vous avez menti. Et les journalistes ont une lourde responsabilité, on va en parler plus tard, a une lourde responsabilité, il peut embraser tout un pays. Vous connaissez l'histoire de Mille Collines, la radio Mille Collines au Rwanda? Cette radio est responsable de milliers de morts parce qu'il y a eu des journalistes qui ont joué un très mauvais rôle. D'accord? Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a cette histoire de la Mouka et des Cash. Certains journalistes ont pris position et ont divisé les gens. Ils ont permis à ce que les gens soient divisés totalement parce qu'ils ont rapporté des messages qui n'étaient pas vrais. Dans le seul but de diviser les gens. Et ne tombez pas dans ce piège-là. Et vous, je crois que je compte sur vous. Je sais que parmi vous, ceux qui seront des journalistes demain, penseront à cela. Il n'y a aucune somme d'argent qui achètera votre personnalité et votre liberté. D'accord? Vivez indépendant dans la pauvreté que vivre dépendant dans la richesse. Qui d'autre? Oui, mon frère. Moi, j'ai appris ma danza et je suis ici. J'aimerais que vous demandiez de revenir ici le nom du journaliste André qui était venu ouvrir la
Permettez-moi de revenir prochainement sur ça, parce que je n'ai plus le nom en tête. J'ai déjà deux ou trois noms qui bougent dans ma tête, je risque de donner une mauvaise information, d'accord? Je vous demande de vraiment m'excuser, je reviendrai sur le nom. Oui, mon frère, attendez. Vous connaissez le nom? Ah, ok, attendez. Donc, je reviens sur le nom, hein? Je reviendrai, je vous donnerai pas seulement le nom, mais je vous donnerai le nom de la personne, ses confrères, son journal, d'accord? Et la date de la publication. Et vous pouvez même revenir là-bas pour suivre ces journaux. Comment est-ce qu'il disait? Quel était son angle, hein? On va voir ça avec vous. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Oui, monsieur Clément, comme ça. Ce que vous avez concédé une partie de votre liberté. C'est pourquoi un journaliste fait d'abord le choix du média qui se rapproche à ses convictions. Tu vois un peu? C'est-à-dire, si tu as des tendances des opposants, déjà, si tu as des prédestinations des opposants, alors je te demande d'aller dans des chaînes de l'opposition. Et prie que cette opposition ne soit pas divisée, parce que tu auras du mal. Parce qu'aujourd'hui au Congo, tu peux être opposant, mais si tu es pro-Fatshi, tu ne travailleras jamais à cette TV. Parce qu'elle a Yabemba là-bas et elle a Bouka. Tu ne pourras pas. Et que si tu es pro Bemba, tu ne peux jamais travailler dans une chaîne comme Télé 50, qui est devenue aujourd'hui pro, pro Fatshi après être pro Kabila. Tu comprends? Donc il faut déjà définir ce que tu veux. Et si tu définis ce que tu veux, tu vas aller là-bas. Mais un journaliste ne peut pas changer la ligne éditoriale. Non, tu ne pourras pas. Si tu changes la ligne éditoriale, mon ami, tu es mort. Tu changes la ligne éditoriale, eh bien, tu es mort. Pourquoi tu es mort? Parce que tu n'as pas le droit de changer la ligne éditoriale. C'est pourquoi vous qui étudiez le journalisme, quand Dieu te donnera la possibilité d'avoir un média, essaye d'avoir une ligne éditoriale assez souple et assez indépendante. Mais permets-moi encore une fois de te dire, même en Europe, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Les journaux de gauche, il y en a, et de droite, il y en a. Alors si tu es de droite, tu ne peux pas dire les choses contre la droite. Tu peux dire, mais ça ne sera pas vraiment des choses criantes, hein? Ça sera des choses assez élémentaires, mais pas criantes. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui,